Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Mario 64. Les ailes de Mario, bah, je peux pas faire cette mission. Je peux pas faire cette mission. Mais tu peux récupérer des étoiles. Ah mais je peux faire oui, je peux faire celle-là. Du genre comment ça s'appelle? Des pièces rouges. Oh non, ben non, la pièce rouge, je vais le faire. Libérer des chiens, je ne sais pas. Tu as l'embarras du choix. Ah oui, du coup, j'ai même pas essayé de jeter des œufs, je suis déçu de moi-même. Ah oui, mais tu devais jouer avec Mario. Ah. Bon, et eh bien. Allez, bonne chance à moi. Allez, on va y aller au feeling. Oh, pas du tout, mais alors là, pas du tout, mais alors là, pas du tout. T'as même perdu 3-4 points de vie. Mais je crois que Yoshi a moins de vie que les autres, hein, je crois. C'est parce qu'il n'a pas de casquette. Oui, du coup. Et il a pas de moustache aussi. Surtout. Du coup, il devrait perdre 4 points de vie, en fait, à chaque coup. Bon, alors, on va le faire à technique petit joueur, et du coup, on va y aller là, hein, avec ce canon-là. Mais oui, mais il n'y a plus le chat, alors comment on fait? Pourquoi ils ont tiré le chat? Eh bien, parce que le jeu avait besoin d'une refonte graphique, monsieur. Ils avaient besoin d'ajouter un peu de difficulté. Mais il n'y a pas l'étoile, là, en fait. Et elle est plus là. Mais les étoiles ont changé. Oh, l'arnaque. Et puis, il y avait des étoiles d'argent. Bon, qu'est-ce qu'il fait, lui? Deviens fou. Oh, t'as vu le chien, il est dans le ciel, c'est trop beau. Merci la bobombe, elle m'a aidé. Tu vois, elle est facile cette étoile. Mais oui. Qu'est-ce que tu racontes? Au revoir, Champ. Allez, Champinou, merci Champinou de ton aide. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, j'ai foncé dans le mur. T'as mais en fait, t'as récupéré l'étoile en même temps, alors du coup, il a pas aimé le jeu. La porte du champ enchaîne. Bon bah voilà, tu vas pouvoir quitter ce monde. Oh, il y a un Toad, qu'est-ce qu'il fait là? Mais il a toujours été là. Il a jamais eu de Toad ici. Non mais je veux dire... Ah, Yoshi, Mario et les autres ont sauté dans ce tableau et ils sont toujours pas revenus. Tu laisses des grands tactiques pour marcher, courir et même sur les rebords étroits. Et même on peut avancer avec l'écran tactile. Oui. Oh, oui. Mais... c'est bizarre. Oui, oui. Mais personne ne fait ça. Ah, mais moi, si je jouais comme ça, c'est plus pratique, vous devriez essayer. Mais oui, il y a un mode complètement tactile, alors je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait, mais... mais moi, je comprends pas, en fait, pourquoi... Bon, je peux pas aller prendre les clés, y a pas de clés. On va faire le jeu entièrement avec Yoshi. J'ai un peu du mal à comprendre, en fait, le mode tout tactile, parce que, vu que tu peux pas faire du multitouche, comment tu sautes et tu cours en même temps, enfin... Enfin, s'il est véritablement tout tactile, j'en sais rien. Tu crois que la technique de saut en avant en arrière, ça marche dans ce jeu? La technique de saut en avant, en arrière. Ah oui. Bah tu peux essayer, vas-y. J'espère que je vais pas rater. C'était si bas? Non, t'es pas encore assez bas là. Non oui, mais je veux dire, c'était ça, ça menait ici. J'ai l'impression que j'ai carrément fait... Ah mais tu peux pas le faire, t'as pas de rebondi-mur de toute façon. Ah bah, un trou. Oh bah ça marche très bien en plus, hein. Je veux dire, j'ai même l'impression que ça marche mieux, mais tu peux pas le faire de toute façon, parce que t'as pas de rebondi-mur. J'ai pas besoin de rebondi-mur quand on a un Yoshi avec une casquette. Mais t'as pas de casquette. C'est pas grave. Yoshi, c'est un pro des glissades, alors on va faire ça. Au revoir. Alors, je sais plus comment on fait le saut. Tu m'as dit que c'était des boutons... C'est R et A en même temps. Wow, c'est bizarre. Ah oui, oui, non, c'est vraiment difficile de faire ça. Enfin, si tu cours en même temps. Mais théoriquement, il faut que tu cours en même temps pour le faire, donc. J'ai l'impression que Yoshi est allé trop vite. Je sais pas où il va, Yoshi, mais il y va en tout cas. Oui, je suis en train de passer sous la map de manière violente. Partir en glissant. Ah, dans mes souvenirs, on reprenait à l'intérieur de la cheminée. Jamais de la vie. T'as des souvenirs erronés. Oh mince. C'est encore l'effet Mandela. Non, mais... c'est sûr. Bon, on va y aller normalement. Puisque... Alors, dans tes souvenirs, ça s'écrit comment, Berenstein? Non, mais c'est bon, maintenant je connais la réponse, alors je peux pas répondre à cette question. Alors, désolé. Dans tes souvenirs, ça s'écrit comment, un tonnerre, avec un E ou avec un A? Hein? Pourquoi il y a un A? C'est au début le A et un E après, si tu veux. Il y a plein de gens qui mettent un H à tonnerre, je sais pas d'où ils le sortent. Bah ouais, c'est ça, l'effet Mandela, tu comprends. Je veux bien qu'il y ait des gens qui écrivent à tonnerre avec tonnerre, le mot tonnerre. Bon bah ça, c'est parce qu'ils savent pas. Mais le H, il sort d'où? C'est comme les gens qui écrivent l'Irael. À quel moment? Quand? Pourquoi? Tu t'appelles pas l'Irael. Et les gens qui mettent un tréma sur le E de l'Irael, ou même un accent. Où est-ce que c'était écrit?
Dites-moi. Bon, moi ça comment va. Vous moi, avez moi fait ça va, j'ai pas de H. Non, mais t'inquiète, les gens rajoutent un O, alors bon. C'est pas faux, c'est pas faux. J'avais oublié, j'avais omis ce détail. Tu as récupéré 8 étoiles de puissance. Tu me dis genre, non, salle de jeu, qu'est-ce qu'il y a derrière cette pièce secrète? Et tu n'as pas oublié Mario, n'est-ce pas? Non. C'est qui Mario déjà? Ah, le protagoniste de ce jeu. Ah, on va manger le pingouin. Oh, tu peux le manger? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est pour ouvrir le canon. Mais quel canon? Il n'y a pas de canon ici. Ah, mais si, il y a des canons. Arrête pas de non, il arrête pas de dire que les casquettes rouges, c'est trop cool. Super Mario, bro. Oh, je veux voir Yoshi manger le pingouin. Wow. Par contre, c'est super dur de faire. Bon. Oui, je trouve que faire les sauts, c'est bizarre. Super Mario, bref. Pitié, s'il te plaît, ne me mange pas, j'en ai aucune saveur et en plus je donne des caries. Et tu Yoshi, peux te balader comme ça, mec. Pourquoi tu peux manger le feu? Trop tard. Laisse les jolies fleurs tranquilles. T'aurais pu revoler avec. Oh, bah non, pas besoin. Hein. Tu veux manger le feu? Oh, mais oui, voilà, et tu peux dégeler le. Yoshi peut cracher du feu. Et c'est là qu'on fait les pièces. Ah, c'est trop bien. Parce que Yoshi, c'est un dragon. Faut que j'aille chercher une casquette de Mario. Un dragon dinosaure. Je sais où elle est, la casquette de Mario. C'est un dragon dinosaure qui crache du feu. Avec ses piquants. Pas grave, on est des champions du monde. Oh non, ça ralentit quand on fait ça. Ah mais non, mais champion du monde. Champion du monde. Merde. Eh, y'a plus d'eau. Merde, il est là. Regarde, on va le shooter dedans avec la technique suprême. Technique suprême. Ah oui, s'y attendait pas à celle-là. Hein. Miaou, dit Mario. Vous n'aurez jamais cru entendre Mario dire ça un jour. Par contre, cette façon de marcher, là... Yahoo! Ah oui, il a... à chaque fois que Mario se téléporte, comme il n'est pas apparu entièrement, je disais que... Pronto, il veut prendre des photos de ça. Non, mais non. Je disais que Mario avait perdu son nez. Carrément, j'ai plus de nez, Mario. Si t'es dans le coin, j'ai ton nez. Bah alors, Luigi, c'est ce petit dinosaure qui t'en fait baver. Est-ce que Yoshi, il perd son nez aussi? Oui, un peu. Ah, j'allais dire, on peut pas manger les pièces. Mais si. Mario, il est là, Mario, regardez-le. Allez, on va faire une technique suprême. Quoi? Mais c'était pas ça, la technique suprême. Voilà, c'est le mouvement de Mario le plus Break inutile dance du monde. C'est parce que c'était à la mode. Même Sonic le fait. Surtout Sonic. Rends compte que dans Sonic 2006, non, je peux pas le dire. Bon, bah tant pis. Peut-être qu'un jour, tu t'as vu, il avait pas de nez. Imagine si Gladiolus, il avait pas de nez aussi. Non, mais ça, c'est bon. Quoi, c'est pourquoi bon. Tu veux être Mario pour prendre le pingouin? Parce que Yoshi recrache le machin. Mais non, mais je pourquoi me suis tu lâches le pingouin? Et je voulais faire je sais plus quoi et je me suis trompé. Je voulais faire un long jump. Est-ce que toi aussi tu voulais aller entrer dans la cabane pour faire une course avec le bébé pingouin? Et directement arriver en bas? Non, j'ai jamais eu cette idée, mais... Bah moi oui, mais ça marchait pas comme ça. J'y étais sûre de mon coup. T'as des idées folles un peu des fois. Hein. Oh. Allez, sacrifice. Pour mon dieu. Mais t'as quand même eu 67 pièces grâce à la course. C'est toi qui l'as eu. Ah oui. C'est pareil. Elles sont jolies les montagnes derrière. Non, il va me parler. Il m'a parlé. Mon bébé, j'ai perdu mon bébé. Je veux mon bébé. Sinon, je te becte. Mon bébé, je l'ai sacrifié. Pour le dieu de Mario. Oh, j'ai cru que j'allais être cool et tout. Mais... Qu'est-ce qui est le plus triste? Qu'elle ait perdu son bébé ou qu'elle veut pas de l'autre bébé? Mais c'est pas mon bébé, qu'est-ce que tu racontes? Bon, alors qu'est-ce qui est le plus triste? Que l'autre bébé a aussi perdu sa maman? Moi j'ai toujours dit que c'était gros pingouin là qui était dans le truc là. Dans la course? Ouais, j'ai toujours dit que c'était lui. Tu penses que c'est une maman? Moi je me suis toujours dit que c'était un garçon celui qui nous faisait. Mais on s'en fiche que ça soit une maman ou un papa. Ici ils ont le droit de s'occuper de leurs enfants aussi. Et papa, et voilà. Oui. Où est-ce que je suis là encore? Je vais devoir faire le tour, ça va être trop long. Comment non, ils vont plus vite maintenant. Mais je m'en fiche que ça va plus vite eux. Bah là après tu descends. Oh non, la casquette elle est passée où? Mais va-t'en! Ma casquette, elle est où maintenant? Bon, vas-y, avance. Avance! Non, attention, il te fuit en fait! Oui, je sais, mais moi je veux pas me faire écraser par le snowman. Je pense que ta casquette, elle est morte. Ah non, elle est revenue à sa place. Mais. Peut-être que tu peux. Il peut pas passer. Ah là là, c'est un gros nous. Mais t'inquiète. Peut-être tu peux le manger. T'inquiète, il va passer.
Ah bah non, finalement. Bon, faut que tu manges dans l'autre sens. Bon, c'est pas parce grave. Parce que là, t'es en train de on faire va des aller chercher notre casquette. Ah, je pensais que t'allais prendre la pièce rouge. Oui, moi aussi, mais il s'avère que c'est un peu compliqué des fois. De vivre. Comment tu vas remonter? On va faire le chemin normal là. Ah, mais oui, on peut monter par là. Mais arrête de me parler, toi! Mais je veux mon bébé! Mais j'en ai rien à faire. De toute façon, on va le sacrifier après. Pour le bien de ce let's play, il faut le sacrifier, sinon. T'as vu tous les problèmes qu'on a là? Parce qu'on a pas tu ça. Vas mourir avant même de réussir à aller le chercher. C'est parce que je l'ai pas sacrifié. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est venu! C'est lequel, le bébé? C'est le lui. Bon dit qu'elle me ressemble, je sais pas plus où je l'ai laissé, je veux mon bébé, c'est pas ton bébé ça? Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Mais qu'est-ce qu'il me veut encore? C'est pas lui? Tu penses qu'il t'aurait suivi jusque là? Il était trop loin, je pense pas. C'est pas mon bébé! Oui mais c'est bien, laisse-le tranquille, il est gentil lui, il te ressemble en plus. Comment ça se fait déjà qu'elle veut lui donner des coups de bec déjà? Elle veut pas donner... Déjà. Elle veut pas donner des coups de bec, qu'est-ce que tu racontes? T'es sûr qu'elle voulait donner des coups de bec? Mais tu dis des bêtises. Encore? Toujours. Bon, allez. Et là, le bébé il est retourné à sa place bon, originale. J'espère que non. Là. Mais il si, est plus là. Tu penses qu'il est retourné ou qu'il est mort? Oh, non, c'est pas possible. Comment je vais sacrifier ce bébé, bon sang? T'as plus vite fait de mourir et de recommencer. Non, mais il faut remonter. Il a repop là où il était censé être. Mais... Oui, mais pourquoi enfin, lui il est descendu? Oui, non, mais il est fou. C'est dur les étoiles dans Mario, finalement. En fait, je dis ça, mais il est mort en fait. Moi, non, il est là. Est... Mais là, t'as vu, il a sauté, il a glissé. Il est tombé dans le trou là, non? Non, oui, ça va, il y a un mur invisible. Bonjour! Allez, hop, tu peux me griller, mais c'est pas encore le moment de te sacrifier. Voilà. Non, mais pas maintenant! Non, mais il est à fond. Bah oui, c'est normal, il veut que le let's play se passe bien. Bonjour! Bah il est encore là, lui. Ah, t'as retrouvé mon petit bébé, mon petit chou, comment prouver ton ingratitude? Tiens, prends cette étoile, elle est trop belle. Oh. Ah voilà, c'est ça que je voulais dire, elle veut te donner des coups de bec. Hihi. Laisse mon bébé tranquille. Mais t'en as un autre maintenant. Non. Il est pas mort. J'ai vu. Allez petit, il faut que le let's play se passe bien. Pourquoi il... Oui. Tu peux pas le jeter. On peut plus le jeter? Mais non, là je disais tu peux pas faire un saut. Enfin, ah bah voilà. Tu vois, y'a pas de problème. Elle ne réalise pas ce qui vient de se passer, elle est en train de se dire... Mais il a repop là-haut. Mais qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que je viens de voir? Tiens, pour toi. Merci. J'espère que tu arriveras à faire mieux que moi. Tu veux que j'aille aussi donner le... Oh, tu vas faire la course du grand pingouin. Je suis obligée de faire la course du grand pingouin. Oui. Bon, ben, on va faire la course du grand pingouin alors. Bonjour grand pingouin. Bon, salut petit, alors il paraît que t'es aussi rapide, mais est-ce que t'es aussi rapide que moi? T'es prêt à faire la course? On va y aller tranquillement pour éviter de faire des bêtises. Non, mais faut pas y aller tranquillement mon biquet, sinon je suis plus rapide que toi. C'est vrai? Non mais t'as vu comment t'es tombé, comme une pierre? Tourne Yoshi, je n'aimerais pas mourir. Ton tourne Yoshi, il était placé assez étrangement, on dirait que genre c'était bien décalé après, genre... Bon, tourne Yoshi. Mais je suis en ligne droite. Ah grave, tourne Yoshi. Tu vois, il est super long. Oui, non, mais... C'est pour ça, je me suis toujours dit que ce jeu, il l'avait rendu plus facile comparé à la version 64. Mais oui, en même temps, c'est plus difficile de le contrôler aussi. J'ai pas de médaille d'or, alors prends ça. Merci. Je pensais avoir au moins l'occasion de sauter sur l'étoile. Elles ont vraiment l'air de faire un regard méchant à chaque fois. Je sais pas s'il reste encore un truc. Non, je pense que non, c'est fini. C'est tout est fini. Tu m'en fais des bêtises là. Que voilà. Allez, je vais faire là. Mais là, t'es obligé de faire un truc pour voir là-haut. Non, j'ai appuyé bah sur oui. Ça. Oui. Donc il y a un bouton pour regarder. Pour faire la caméra Mario. Enfin, la caméra Mario, la caméra Z. C. Ouais, bon, je sais pas, on verra. Quand on y sera. Allez, on va faire... Mais non, je veux faire une petite étoile, en fait. Quand même. Mais oui, bah oui, il reste plus beaucoup de temps à la vidéo. On va faire une petite étoile. Alors, je veux pas aller là, en fait. Je vais aller faire l'étoile... L'étoile du sous-marin, là. Enfin, pas l'étoile du sous-marin, mais l'étoile dans la... C'est pas plus long, justement. Mais non. Silence.
T'as vu, c'est les tableaux de la version japonaise, c'est trop bien. J'ai pas eu le temps de voir, mais je vais dire que oui. Quelle petite étoile rapide. Wow, t'es passé sous le sol, j'ai tout vu. Voilà, tu te souviens de celui-là? Ouais, ça c'est une petite étoile rapide et tranquille. Pouvoir discuter tranquillement. Voilà, alors, Mario 64, toute ton enfance. Voilà. Je me souviens... Qu'est-ce qu'il est lent, Yoshi, bon sang, en fait. Il est plus lent, Yoshi, dans l'eau, en fait. Ce coup-là, il est super lent, t'as vu ça, là? Mais non, il faut que tu fasses un grand mouvement qui fasse bien. Non, il est lent, Yoshi. Oh, il est super lent. En fait, peut-être je t'ai déjà dit qu'il était lent. Peut-être que c'est la vitesse normale de tout le monde. Oh non, mais ça va être trop long. Enfin bon, tu verras quand tu auras récupéré Mario et compagnie. Un jour, peut-être. C'est qui, Mario? On joue pas à Super Yoshi 64, là? Si, c'est vrai. J'avais oublié. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du fait que le jeu il s'appelle 64 alors qu'il... Oui, y a aucune raison. Tu vois, Yoshi se bat dans l'eau, là, comme ça, genre... Vous voulez vous battre avec moi, là? Vous dites que je suis lent? Attends, on peut pas mettre la caméra, là? Non, on peut pas mettre la caméra derrière. Ah si, regarde, là, Yoshi, quand il est énervé. Incroyable. Il est trop fort de pouvoir faire ça. Pourquoi t'arrives pas à faire ça, toi? Ah bah peut-être que si, mais je vais pas le dire. Incroyable, tu as réussi à récupérer toutes les pièces rouges. Ah bah, finalement, t'avais raison, c'était long. Eh oui. Bah, regarde, il y a plusieurs cieux, c'est beau. Waouh. Peut-être que c'est juste un filtre. Un filtre. C'est non, juste plutôt un vitrail. Tu vois, les vitres, elles sont roses, alors ça fait une lumière rose. Ouais, c'est pas grave, on a terminé l'étoile secrète du château et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. On devra même récupérer une vie. Si t'y arrives, ça a l'air compliqué. Non, mais c'est ce mouvement-là qui est difficile. Oui, je trouve aussi. Au revoir tout le monde.